Honorable sénateur, j'aimerais souligner la présence dans la tribune de Jane Goodall, scientifique, conservationniste et messagère de la paix des Nations unies. Elle est l'invitée de l'honorable sénateur Klein. Au nom de tous les sénateurs, bienvenue au Sénat du Canada. Sénateur Klein. Merci. Honorable sénateur, je prends la parole pour rendre hommage à l'estimée Jane Goodall, qui a honoré le Sénat et notre pays par sa visite ici aujourd'hui. Comme vous le savez, et comme la présidente vient de le dire, Mme Goodall est une primatologue de renommée mondiale, une défenseure de l'environnement et messagère de la paix des Nations unies. Elle est également la fondatrice de l'Institut Jane Goodall, une organisation de premier plan qui œuvre dans le monde entier pour sauver les espèces sauvages. Les découvertes légendaires de Mme Goodall sur nos plus proches parents vivants, les chimpanzés, ont révolutionné la compréhension qu'a l'humanité de la relation avec les animaux. Mme Goodall a utilisé la science pour prouver ce que de nombreux peuples autochtones ont toujours su, que nous ne sommes pas séparés de nos semblables, mais que nous sommes liés à eux. En bref, les découvertes de Mme Goodall ont déclenché une révolution de l'empathie. Depuis, elle consacre sa vie à la protection de la nature. Son message n'a jamais été aussi urgent lorsqu'il s'agit de s'attaquer à la crise climatique, à la biodiversité et au bien-être des animaux. Ce sont des priorités communes de l'honorable Maurice Sinclair et moi, et j'espère qu'elles le sont pour vous aussi. J'ai un message à partager de l'ancien sénateur Sinclair. Je cite, « Honorable sénateur, je regrette de ne pas pouvoir me joindre à vous pour accueillir l'estimée Jane Goodall au Sénat, un lieu que j'ai considéré comme le Conseil des anciens du Canada. Mme Goodall est une véritable aînée de notre société mondiale, une héroïne qui nous incite à faire mieux pour toutes les créatures de la création avec laquelle nous partageons cette terre. J'espère que vous prendrez à cœur sa sagesse. Nous devons agir maintenant pour protéger le monde naturel, une nécessité selon la science et le savoir autochtone. Mme Goodall, vous avez mené des recherches approfondies sur le terrain avec les chimpanzés qui forment des alliances politiques pour atteindre leurs objectifs. C'est une excellente préparation à votre visite au Parlement. Thank you. Thank you for your unceasing efforts to protect. Nous vous remercions de vos efforts incessants en faveur de la protection de la faune et de la flore sauvage, et notamment pour vos initiatives de conservation. C'est une source d'espoir inépuisable pour les personnes, en particulier les jeunes, qui s'efforcent de sauver notre belle planète, les animaux sacrés et innocents qui méritent notre compassion. Nous n'abandonnerons jamais. Fin de la citation. Alors, le sénateur, je suis convaincu que nous transformerons l'inspiration en action concrète pour protéger le monde naturel. En l'honneur de Mme Goodall et par respect pour toutes ses relations, j'espère que nous répondrons ensemble à cet appel. Merci. Merci et hi, Kitatamahin.